Alors, est-ce qu'il a perdu le soutien de son club, Cédric de Oliveira? C'est vrai que ce début de saison est compliqué hein, pour Wayne Rooney. Il ouais, faut déjà expliquer que Wayne Rooney, bah, il commence à prendre un petit peu d'âge. Hein. Il n'a que 32 ans. Alors, vous me direz, c'est pas beaucoup, mais pour les footballeurs, c'est déjà beaucoup. D'ailleurs, c'est son anniversaire à Wayne Rooney. Aujourd'hui. On peut lui souhaiter son anniversaire s'il nous écoute. En tout cas, il a pris donc un petit peu d'âge et ça commence à se sentir sur le terrain. Il a des très jeunes concurrents, notamment Marcus Rashford, encore Anthony Martial, le français. Donc, il pâtit en ce moment de ça. Depuis que l'entraîneur José Mourinho il est arrivé sur le banc. Alors il n'a pas joué hier, l'équipe vient d'être battue par Chelsea hier 4-0, mais il est très très souvent remplaçant. En tout cas, José Mourinho lui fait pas confiance pour débuter les rencontres. Il est titulaire, mais que dans les matchs de Coupe de la Ligue anglaise ou en tout cas en Ligue Europa. Mais lors des grosses affiches, on lui fait pas confiance. Donc effectivement, et c'est pareil d'ailleurs en sélection, puisque Wayne Rooney, bah, il a débuté sur le banc aussi lors du dernier match face à la Slovénie. Effectivement, c'était il y a 10 jours. Est-ce que ça signifie qu'il a totalement perdu le soutien de son club et de ses supporters? Est-ce que c'est la fin de sa carrière? C'est pas la fin de sa carrière, parce que pour l'instant, Rooney a le soutien du club. Il y joue depuis 2004, fait partie des meubles. C'est un historique, Wayne Rooney. Hein. Il a gagné une Ligue des Champions, il a gagné 5 titres de champion avec ce club. Et José Mourinho, il a plusieurs fois défendu, précisant qu'il comptait sur lui pour le reste de la saison. Alors, peut-être pas pour débuter les matchs, mais en tout cas, comme leader de vestiaire, hein, une partie du public, par contre, l'a pris en grippe. Avec les supporters, c'est un peu plus compliqué. Il est sifflé de temps en temps. C'est hein, encore pire avec la sélection anglaise, puisque la dernière fois, donc, c'est un match face à Malte, à Wembley. Et là, il avait été hué lors de cette rencontre.